Oh merde! Ça, tu crois que je serais prudent, imbécile? Monseigneur. Oh, il est là aussi. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet. César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Vous avez vu l'énergie que ça envoie, ce générique? En tout cas, la musique de Polnareff. Il paraît que quand j'étais petit, quand j'avais 1 an ou 2 ans et que je pleurais et qu'on n'arrivait pas à me calmer, on me mettait devant le générique de La Folie des Grandeurs et il paraît que ça me calmait sur le champ et même que je me marrais complètement devant la télé. Alors évidemment, une fois que le générique est terminé, vu que j'avais 1 an ou 2 ans, je décrochais tout de suite, mais c'était sans doute, inconsciemment, ma première rencontre avec Louis de Funès, qui est encore une fois le cœur du sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous, nous sommes sur Nienko TV, je vous souhaite la bienvenue à vous qui êtes nouveau sur la chaîne, et si c'est le cas, je vous invite, si vous aimez la vidéo, à la liker, à la partager, à la commenter, et surtout à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux, et même très nombreux à le faire ces derniers temps, depuis qu'on parle majoritairement de cinéma français, je vous en remercie énormément. Sachant qu'à la rentrée, on reparlera quand même de cinéma américain aussi, parce que je n'oublie pas le principe fondamental de ma chaîne de parler quand même un petit peu des deux à la fois. Et vous êtes quasiment 1000, c'est un truc de dingue encore une fois, à avoir voté majoritairement pour La Folie des Grandeurs. Et chose promise, chose due, installez-vous confortablement. On va revenir comme d'habitude sur la mise en chantier de ce film, les coulisses du tournage, la pré-production. Qu'est-ce qui reste du film aujourd'hui en 2022, si le programme vous convient, place à la rétrospective La Folie des Grandeurs, le film réalisé par Gérard Horry, sorti en 1971. C'est parti! Après le succès inégalé de La Grande Vadrouille en 1966, Gérard Horry ainsi que sa fille Danielle Thompson et Marcel Julien se remettent au travail au printemps 1967. Leur projet doit associer Bourville et Belmondo dans un film ambitieux durant lequel Gérard Horry voit grand, très grand, rêvant d'un film spectaculaire, passant d'un pays à l'autre avec des lieux jamais vus au cinéma, avec des gags visuels, de l'action, de la comédie, du suspense, et qui dit Bourville dit également un peu de tendresse. Ce film, c'est Le Cerveau, un film dont on consacrera une vidéo un jour, un film qui m'inspire pas grand-chose, parce que pour moi, un Gérard Horry sans Louis de Funès, mis à part une exception dont nous parlerons également un jour, que je ne citerai pas aujourd'hui, mais vous devinerez sûrement en commentaire, et bah, Gérard Horry sans De Funès, ça ne m'inspire pas beaucoup. Mais passons. En parallèle, Gérard Horry annonce dès 1967 que le prochain Bourville de Funès, retour attendu, sera un film en costume, basé sur la pièce Ruy Blas de Victor Hugo, et sera nommé Les Sombreros. En effet, au début des années 60, Gérard Horry avait joué dans Ruy Blas à la Comédie Française, où il avait joué Salustre, et avait entrevu à l'époque un potentiel comique. En parallèle à cette préparation, Bourville, sur le tournage des cracks, tombe de vélo lors d'une scène particulièrement exigeante sur le plan physique, mettant en scène plusieurs vélos lancés à pleine vitesse dans un peloton, et ne se remet pas de la douleur qu'il ressent suite à sa chute, ressentant une vive douleur dans le dos, bien qu'aucune blessure apparente ne soit à déplorer. Se rendant à l'hôpital,
Il en profite pour demander à ce qu'on examine une boule qu'il a derrière l'oreille depuis un moment et qu'il souhaite faire retirer. Le constat est sans pitié pour Bourvil, qui apprendra par son médecin qu'il est atteint d'un cancer de la moelle osseuse très rare et qu'il lui reste entre 2 et 3 ans maximum à vivre. Cependant, Bourvil décide de se battre et de tourner le cerveau sans avouer à quiconque, ni même Gérard Horry, son état de santé et son diagnostic. Cependant, voyant son ami souffrant, Gérard Horry emmène son ami chez son médecin personnel après le tournage et quelques heures à peine avant l'avant-première du film, le 6 mars 1969. Alors que Gérard Horry appelle le médecin au téléphone, ce dernier, d'abord silencieux car ne pouvant briser le secret médical, cède sous l'insistance du réalisateur, déterminé à tourner avec Bourvil et De Funès l'année suivante, ce à quoi le médecin répond « Monsieur Bourvil ne tournera pas dans votre film, car dans un an, ou peut-être un peu plus, il aura cessé de vivre. » L'avant-première commencera quelques heures après, dans une salle qui riait de bon cœur au film, avec Bourvil et même De Funès qui avaient tenu à être là à l'avant-première, et derrière eux, Gérard Horry et sa fille Danielle Thompson étaient partagés entre la pensée d'une possible erreur médicale, car après tout, tout est possible, et l'impossibilité probable de refaire jouer ensemble à nouveau les deux acteurs assis juste devant eux. À mon avis, cette avant-première absolument morbide, ils ont dû s'en souvenir très longtemps. Horry met tout de suite Alain Poiré, son producteur, qui après le succès de La Grande Vadrouille et du Corio, que la Gaumont avait refusé de produire dans la confidence, il décide malgré tout de poursuivre l'écriture, les repérages en Espagne et la préparation du tournage comme si de rien n'était. Tout arrêté maintenant centrerait toute l'attention sur l'état de Bourvil, état de santé qui restait ignoré du grand public et des médias. Le producteur accepte donc de mettre de l'argent potentiellement à perte par pure amitié avec Gérard Horry et pour soutenir l'acteur mourant, ce qui n'est pas rien. De son côté, Bourvil enchaîne les tournages pour repousser la maladie le plus possible, avec entre autres Le Cercle Rouge de Melville, dans lequel il incarne dans la douleur de sa maladie un rôle dramatique, ou encore Le Mur de l'Atlantique, et il est tenu informé régulièrement par Horry de l'avancée du projet des sombreros, afin de lui donner confiance et l'aider dans la lutte face à la maladie. Au passage, Bourvil était conscient que chaque tournage qu'il entreprenait, y compris Le Cercle Rouge, était potentiellement son dernier. Et comme il a joué dramatique dans le film Le Cercle Rouge à contre-emploi de ce qu'il peut faire habituellement, lors de sa dernière scène qu'il a tournée, une scène silencieuse sans aucun dialogue, il a demandé au réalisateur de refaire la scène juste pour lui et a demandé à rejouer cette scène juste pour faire une blague en chantant sa fameuse tactique du gendarme. Du gendarme, c'est des... Ça, c'est The Happy End. Histoire de finir sur quelque chose de positif, se sachant condamné à quelques semaines, quelques mois après, il préférait qu'on se souvienne de lui comme étant ce personnage bout en train, toujours de bonne humeur, et qui, malgré la douleur qui le rongeait, est parti en chantant. Encore une fois, il avait peur qu'on l'oublie 50 ans après. Non, Bourvil, on ne vous a pas oublié. Michel Polnareff est engagé pour la bande originale du film, au passage une tuerie, avec comme consigne de s'inspirer du flamenco pour composer la musique du film. En parallèle, Gérard Horry continue de rendre visite à Bourvil dans sa maison de campagne, lui parle de ses entretiens avec le futur roi d'Espagne 5 années plus tard, Juan Carlos Ier, pour obtenir l'autorisation de tourner dans des lieux historiques habituellement fermé aux caméras, et de quelques autres idées de scènes comiques. Mais à chaque nouvelle visite, Gérard Horry ne peut que constater la dégradation physique de son acteur, de plus en plus flottant dans ses vêtements et de plus en plus faible. Malgré tout, le film continue d'avancer, les dialogues aussi, le scénario également, avec de vraies libertés prises sur le texte de Victor Hugo, dont Saluste redevient le personnage principal, et un long travail de détournement de chaque scène, relativement sérieuse de Ruy Blas, est entrepris pour les transformer en une situation de comédie, alors que la pièce d'origine reste très noire. L'avantage avec Gérard Horry, Danielle Thompson, sa fille, et Marcel Julien à l'époque, c'est qu'ils écrivent le film durant un an et demi, ou deux ans, pour des acteurs qu'ils ont en tête. Les dialogues, ils sont déjà gravés dans le marbre. Tout est préparé. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres, et les riches, très riches, c'était déjà écrit. Je suis ministre, je ne sais rien faire, c'était déjà écrit. Là où d'habitude, Louis de Funès doit amener dans ses films, il doit amener lui-même des idées pour que le film devienne intéressant. Quand il tourne avec Gérard Horry, tout est déjà prêt, et il a quasiment pas improvisé sur le tournage de La Folie des Grandeurs. Et là où De Funès enchaînait les prises et les prises pour trouver l'idée qu'il n'avait pas, ou que le scénario n'avait pas, là, il a juste à tourner la prise pour que l'intonation soit juste. Et il est rare qu'il y ait un film aussi juste
sur chaque réplique, à 100% des répliques, que dans La Folie des Grandeurs. Menteuse ! C'est une menteuse ! Elle ment en allemand ! Cet enfant est un faux témoin ! De Funès voit en son personnage l'opportunité d'incarner, selon ses dires, une belle saloperie, bien que jouant sa partition habituelle de ce personnage arrogant et humiliant avec les pauvres, mais à plat ventre devant les puissants, Houry et sa fille iront même jusqu'à piocher dans l'avare de Molière pour faire de Don Salustre un courtisan obsédé par l'argent. Vous le savez, vous commencez à me connaître, Louis de Funès, il avait toujours rêvé de faire l'avare, ce qu'il fera 10 ans après dans une pièce filmée dans des décors tristes, dans une musique pas géniale, alors que pour moi, l'avare, il l'avait déjà dans La Folie des Grandeurs. Il y avait tout de l'avare dans La Folie des Grandeurs, et à une échelle XL. Pas besoin de refaire cette pièce tristounette en simulant une pièce de théâtre jouée parce qu'il pouvait plus la jouer devant un public à cause de son état de santé, alors qu'à côté, tu as La Folie des Grandeurs. Franchement, c'est dommage, filmant trop. Pour l'écriture du personnage de Bourvil, il est question d'un personnage plus naïf que le personnage original, plus tendre que séducteur, un personnage profondément gentil. Et après avoir été repoussé déjà 2 fois, le tournage est prévu en avril 1971. Mais alors que Gérard Houry rejoint Daniel Thompson à New York en septembre 1970 pour finaliser le scénario, cette dernière vivant sur place à l'époque, le téléphone sonne le matin du 23 septembre. C'est RTL qui demande au réalisateur de réagir à la mort de Bourvil. Alors là, apprendre ça comme ça de façon détournée par téléphone, ça devait être immonde. Et du coup, Gérard Houry a pris l'avion pour assister aux obsèques de Bourvil en se disant que quoi qu'il arrive, son film, il était foutu. Sans le duo de Funès-Bourvil, il n'était pas du tout concevable de continuer un tel projet. Mais la vie continue. Bourvil est parti à 53 ans. C'est absolument dramatique et injuste. Mais the show must go on. La vie, elle continue. Et le film, il faut le faire. C'est alors qu'au soir du 1er octobre, Gérard Houry et Michel Morgan se rendent à une soirée mondaine à laquelle Gérard Houry ne souhaitait pourtant pas aller, où ils croisent Simone Signoret, l'épouse de Yves Montand, et ce dernier qui se trouvait à quelques mètres d'eux, de dos. C'est elle qui désignera le remplaçant idéal à Bourvil dans le film, son propre mari. Ce dernier étant enchanté de jouer avec Louis de Funès, et il accepte malgré une hésitation sur le lieu de tournage. Car Yves Montand, il est très très engagé à gauche, ou à gauche de la gauche. Et à l'époque, l'Espagne c'était une dictature, et il a refusé d'aller tourner en Espagne tant que Franco était au pouvoir. Et c'est compliqué de ne pas tourner La Folie des Grandeurs en Espagne. Mais il ira cependant en se laissant convaincre qu'il vaut mieux aller en Espagne en apportant le message de la démocratie plutôt que de la tyrannie, et heureusement parce qu'encore une fois sinon le film était foutu. Cependant, en décembre 1970, à 4 mois du tournage, nouvelle frayeur autour de la production. Un tribunal militaire menace d'exécuter 9 militants de l'État, une organisation indépendantiste, et si jamais ils étaient exécutés, Yves Montand renoncera à participer au film. Heureusement, ils seront graciés, et il est grand temps que le tournage commence enfin, car après 18 mois d'écriture laborieuse et pas moins de 14 versions différentes, le tournage pouvait enfin commencer. Doté d'un budget confortable de 18 millions de francs, le tournage commence le 19 avril 1971 à Almeria, pour 10 semaines prévues sous le soleil écrasant de l'Espagne, plus 5 semaines supplémentaires en studio à Paris, soit 15 semaines au total. 100 acteurs et techniciens sont engagés pour le film, sans oublier les chameaux, les flamants roses, et au passage, j'ai appris, et d'ailleurs pour ceux qui se demandent où je trouve mes sources, pour De Funès en général, je me base sur les livres que vous avez un petit peu autour de moi, j'ai également aussi beaucoup de documentaires en DVD qui sont derrière, je regarde aussi les making-of du film, désolé pour ceux qui se disent, ah bah, il a juste regardé le making-of, mais oui, le making-of c'est une source fiable, j'en suis désolé, et j'ai appris dans un documentaire que j'ai trouvé sur le Blu-ray de La Folie des Grandeurs, que les quelques flamants roses qu'ils ont amenés en Espagne sont morts, de déshydratation et de sécheresse. Et alors qu'ils ont une utilité de 3 secondes dans le film. Ça passe mal quand j'ai vu ça. Le gars, il le dit, oh bah, ils sont morts les flamants roses. Aujourd'hui, ça ne passe pas.
et a raison. La production louait également une cinquantaine de chevaux nécessaires à la reconstitution historique, sans oublier bien évidemment les nombreux costumes, dont certains pouvaient peser jusqu'à 40 kilos. S'amusant de leurs différences aussi bien physiques que politiques, De Funès de droite, Yves Montand de gauche, Montand et De Funès s'entendaient très bien, chacun voulant être à la hauteur de l'autre, et il n'était pas rare, selon Gérard Horry, de les voir préparer dans leur coin des gags à proposer au réalisateur, ce dernier acceptant ou non leurs idées. Une complicité qui fait plaisir à Louis de Funès, rassuré sur la complémentarité de jeu entre lui et Yves Montand. Et après une préparation laborieuse et endeuillée de la perte de Bourvil, et après un long tournage repoussé plusieurs fois et épuisant, le film sort en décembre 1971. Le public sera au rendez-vous, 5,5 millions de spectateurs, un bon score, mais très loin du Cornio ou encore plus de la Grande Vadrouille, même si Gérard Horry était conscient qu'il n'allait pas forcément se battre lui-même à chaque fois. Cependant, les résultats seront jugés décevants pour la Gaumont qui en attendait plus, bien que La Folie des Grandeurs batte légèrement Les Recettes du Cerveau, qui fut également une déception pour Gérard Horry comparé à ses triomphes habituels. On est prêt pour la partie critique. Je vais être très net, La Folie des Grandeurs, c'est le meilleur film, le plus beau film de Gérard Horry. Et par extension, le meilleur film de la filmographie de Louis de Funès. Même si ce n'est pas mon préféré, c'est un de mes paradoxes, je reconnais que c'est le meilleur film à tout point de vue, la meilleure photo, la meilleure mise en scène, les meilleurs dialogues, les costumes, les lieux de tournage, les décors, la musique de Polnareff. Je vais m'arrêter un moment sur la musique, car elle contribue à rendre le film intemporel, parce que c'est une musique pleine d'anachronismes. Habituellement, Gérard Horry, il tourne toujours avec Georges Delerue, enfin presque toujours. Il a engagé le compositeur dans Le Crime ne paie pas, dans Le Cornio, et il l'avait engagé aussi pour Le Cerveau. Sauf que sur Le Cerveau, ça s'est pas très bien passé. Parce que Le Cerveau, pour Gérard Horry, c'était l'occasion de faire une comédie un peu plus à jour, un peu plus moderne avec Belmondo. Il veut montrer qu'il s'adapte, il veut montrer que Gérard Horry, c'est un réalisateur jeune, qui est prêt à travailler avec des nouveaux acteurs, ce sera Christian Clavier, ce sera Coluche un peu plus tard, et Georges Delerue, c'est un compositeur très classique. Classique. C'est-à-dire? Si jamais tu lui demandes de composer une musique qui se passe en Espagne, eh ben il va pas te mettre de la batterie. Il va pas trouver ça cohérent pour un film d'époque qui se passe là-bas. Vous faites toujours comme on fait tout le temps. Oui, on a tout le temps fait comme ça. Ce qui n'empêche pas Georges Delerue d'être un super compositeur. Mais pour La Folie des Grandeurs, parce qu'une mauvaise bande originale peut te casser la comédie d'un film. La musique de Polnareff, elle apporte un côté pop, avec des thèmes hyper variés. Le générique qui donne un côté un petit peu Far West. La musique du thème de l'amour, lui, il est 100% somptueux. Le thème du générique, le thème le plus entraînant du monde, c'est le générique le plus entraînant du monde, La Folie des Grandeurs. Pourtant, c'est un thème de western. Ce n'est pas ce qu'avait commandé Gérard Horry à Polnareff. Pourtant, quand il a entendu ça, il en est tombé littéralement amoureux. Et cette musique, ça fait partie des ingrédients qui font que La Folie des Grandeurs, c'est pas qu'un bon De Funès. Parce que, en général, quand je parle des films de De Funès, je dis c'est un bon De Funès ou un mauvais De Funès. Pas un bon Giraud ou un mauvais Giraud, pas un bon Molinaro ou un mauvais Molinaro, mais avec les films de Gérard Horry, en tout cas les 4 qu'il a fait avec De Funès plus 1, ce sont juste de très bons films, parce qu'ils sont préparés, ils sont écrits très en avance, ils ont des moyens, même si malheureusement La Folie des Grandeurs n'a pas été tournée en cinémascope, ce qui est un de mes regrets, parce que du coup ça favorise pas les plans larges alors qu'on a des magnifiques panoramas de l'Espagne. Et à partir de là, De Funès, voyant que le travail était tellement fait clé en main pour lui, qu'il avait juste à travailler sur son rôle et non pas sur le film dans sa globalité, et à juste se laisser diriger, parce que c'est son boulot après tout d'être acteur, bah c'est la seule occasion avec Gérard Horry où il peut se concentrer sur son boulot d'acteur et non pas sur la direction des autres pour que le film soit globalement à la hauteur puisqu'il est porté sur ses épaules. À partir de 71 d'ailleurs, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais De Funès ne voudra tourner qu'avec Gérard Horry. Évidemment, ça va pas se passer tout à fait comme prévu, mais du coup, pourquoi tourner avec des mauvais soit réalisateur, soit avec des mauvais scénarios qu'il faut compléter, si Gérard Horry et Daniel Thompson s'en occupent à 100% et écrivent pour toi. Et s'il vous plaît, essayez de compter le nombre de scènes cultes et de dialogues cultes qu'il y a dans La Folie des Grandeurs. C'est dur d'en retenir un, c'est le film entier qui est culte. Chaque phrase détachée les unes des autres
est absolument parfaite dans l'écriture et dans l'intonation et dans la façon dont elle est jouée. Évidemment, les deux premières qui me viennent, c'est « Les pauvres sont faits pour être très pauvres et les riches très riches ». On n'a jamais été aussi près du sujet qu'aujourd'hui en 2022. Qu'est-ce que je vais devenir ? Je suis ministre, je ne sais rien faire ! Pareil, j'ai l'impression qu'on n'a jamais été au plus près, n'est-ce pas, Madame El Khomri ? Il n'a pas été recueilli. Mais dites-moi, il peut être renouvelé combien de fois, le CDD ? Il peut être renouvelé plusieurs fois. Combien de fois ? Maximum ? Vous ne pouvez pas vous le dire. Parce que vous ne le savez pas. Mais il y a aussi le muet et le borgne. Le muet ! Et il est sourd en plus. Elle est parfaite cette scène, en fait tout est parfait. Blas, flattez-moi, la scène du bain dans sa globalité. Monseigneur est beau, je flatte. Y a pas assez de mousse, y a pas assez de cheveux non plus. Il est l'or, Monseigneur ne se rend pas compte de ce qu'elle dit. Le duo marche très bien d'ailleurs. Comment peut-on vivre dans un courbis pareil ? C'est ici que Monseigneur loge son personnel. Ah, c'est joli. Non, pour une fois, c'est pas moi. Non, monsieur, pour une fois, c'est pas moi. J'étais là. Je priais. Y a pas de... Ça va au-delà des mots. C'est juste parfait, y a rien à dire. Fermez vos gueules, les critiques et les médias de l'époque, quoi. Sa Majesté a bien reçu ma lettre anonyme. Où est la reine ? La petite lettre avec les deux petits pompons verts. Après, une particularité qu'il faut souligner dans La Folie des Grandeurs, c'est que Don Salustre, bien qu'il ait des traits de caractère de son personnage habituel, c'est le seul personnage, avec peut-être l'avare, mais encore une fois, l'avare... En tout cas, c'est le seul personnage que j'ai en tête là tout de suite qui soit un personnage 100% odieux. Cette année, la récolte a été très mauvaise, alors il faut payer le double. Tous les personnages de Louis de Funès qu'il interprète, que ce soit le commissaire Juif, que ce soit Cruchot, il est toujours amoureux de sa femme, ou alors il a sa fille, Nicole, dans Les Gendarmes. Il a toujours un côté humain, il est infect avec certains, parce que c'est son métier ou c'est sa façon d'être, mais avec d'autres, il aime sa fille, Cruchot, il ferait tout pour sa fille. Il y a un côté touchant dans le personnage de Funès, même ne serait-ce que dans Rabbi Jacob, où peu à peu il s'humanise et devient de moins en moins intolérant. Dans Le Corneau, il s'attache à Bourville, alors que c'est son pion, il ne peut pas s'empêcher de le respecter. Il y a toujours un côté touchant dans les personnages de Funès, sauf Don Salustre. Don Salustre, c'est une fouine. Il est prêt à tuer, la preuve c'est qu'il empoisonne quelqu'un pour tester le gâteau. Il a aucune pitié, ni avec César, son neveu, ni avec Blas, il te fait passer pour César. C'est un personnage méchant, Don Salustre. Pourtant, je suis triste pour lui quand je vois qu'il n'arrive pas à exécuter ses plans, et que quelque part, ni l'un ni l'autre n'y arriveront d'ailleurs, parce que les deux vont finir au barbaresque, dans une scène géniale de retrouvailles, où t'as tous les méchants qui ont conspiré les uns contre les autres, à un moment donné, qui étaient tes amis, puis tes ennemis, à la fin, quand tout le monde est en prison, et que tout le monde est dans le même bateau, ils se retrouvent et ils sont contents de se retrouver entre fripouilles. Oh, il est là aussi. Oh, il est là, lui aussi. Et La Folie des Grandeurs, je m'en suis rendu compte en le regardant cette semaine, pendant tout un quart d'heure, De Funès n'est pas à l'écran, un quart d'heure d'affilée. Au moment où il est viré de la salle du trône, et au moment où il réapparaît quand il apprend que Blas fait des réformes et qu'il va se faire tuer, on ne voit que Blas dans sa nouvelle vie. Salustre, vu qu'il a été viré et qu'il est en exil, n'est plus là. Et on s'emmerde pas, pour autant, parce que le film est très bon et qu'Yves Montand est très bon aussi. Mais notez que c'est très atypique de se rendre compte que dans un De Funès, mais qui n'est pas qu'un De Funès, qui est un film complet, il y a tout un quart d'heure où De Funès n'est pas là. C'est la première fois et la dernière fois que vous verrez ça. Mocheté. En plus, elle est mal élevée. Alors, il y a quelques petites choses qui auraient mérité d'être un peu plus approfondies. Il y a quelques critiques et quelques avis sur la lutte des classes sociales de l'époque. À un moment donné, ils se disent « Ça fait 300 ans que ma famille n'a pas payé d'impôts, c'est pas juste, c'est les pauvres qui doivent payer. » Et que Yves Montand répond justement « Bah justement, c'était peut-être pas très juste. » C'est dommage qu'on n'appuie pas un petit peu plus là-dessus. Celui qui se dit « Ah bah vous rendez compte, maintenant si je suis un domestique, faut que je le déclare. » Il y a peut-être pas assez de phrases comme ça qui ressortent et qui donneraient peut-être une certaine morale, une certaine critique, une certaine satire sociale. Mais bon, c'est juste pour gratter et trouver un petit défaut pour pinailler. Je finirai là-dessus. Est-ce que le film aurait été meilleur avec Bourville à la place d'Yves Montand ? Sachant qu'il faut imaginer le Bourville malade, sachant que quoi qu'il arrive, ce n'est pas le même film parce que ce n'est pas la même écriture. Comme le disait Daniel Thompson,
Bourvil a été écrit comme un Sganarelle, Yves Montand comme Scapin. Yves Montand, il a un côté un petit peu impétueux, il hésite pas, on va dire, avec sa grande taille, à prendre le dessus sur son maître au moment où les pouvoirs s'inversent, quand il se rend compte que son maître n'a plus de pouvoir. Le personnage de Blaze retourne sa veste très très vite. J'imagine pas Bourvil faire ça. Bourvil, pour séduire la reine, il l'aurait fait à l'usure, avec sa gentillesse. Alors que Yves Montand le fait de par, on va dire, sa classe, sa stature, le fait qu'il ait beaucoup de charme, ça aurait pas été le même film, c'est impossible d'imaginer Bourvil à la place de Montand dans la version telle qu'elle a été écrite par Daniel Thompson, et réécrite d'ailleurs plutôt par Thompson et par Gérard Oury. Ceci dit, il y a certains moments, c'est surtout vers la fin du film, quand Yves Montand embrasse la reine, ou quand il laisse la reine partir avec le vrai César au loin, en lui disant « embrasse-la, imbécile », il le dit avec une certaine tendresse, un certain trouble en lui qui fait que, oui, là, Bourvil l'aurait joué pareil. Qu'est-ce qu'elle dit ? Embrasse-la, imbécile. Mais j'aurais pas imaginé Bourvil donner des coups de pied au cul au personnage de Sallustre, au moment où Sallustre veut se faire passer pour quelqu'un d'autre et qui demande à Blaze de le battre pour pas qu'on porte l'attention sur lui. C'est la première fois que quelqu'un s'en prend physiquement au personnage de Funès, et même qu'à un moment, Sallustre dit « Là, c'est trop fort. Ah, c'est trop fort. » Et bam! Est-ce que Bourvil aurait joué ça? Non. Bourvil a pas ce côté cabot que Yves Montand a amené à ce personnage qui fait qu'ils ont joué vraiment d'égal à égal. Donc non. Je regrette pas qu'Yves Montand ait remplacé Bourvil, parce que du coup, le film a été réadapté dans ce sens-là pour que ce soit crédible. Après, est-ce que je suis curieux de voir Bourvil dans un rôle purement dramatique, purement romantique, purement fleur bleue? Oui, évidemment que j'aurais voulu voir ça. Mais on n'a pas perdu au change, ça c'est certain. On va se quitter avec quelques anecdotes de tournage, puis après on se dira au revoir pour aujourd'hui. Le fameux striptease d'Alice Sapritch. Le moment culte du film, numéro 1 dans le film, et c'est pas une scène avec de Funès, histoire de dire que ce film, encore une fois, est vraiment à part. Eh ben, figurez-vous qu'on lui avait demandé de prendre des cours avec une professionnelle du Crazy Horse. Alice Sapritch, elle a dû faire un ou deux cours sur les dizaines qui étaient prévues, et elle n'a pas fait les autres. Quand elle s'est rendue sur le tournage, ça a été fait en parfaite improvisation. En numéro 2, toujours par rapport au striptease, vous avez dû remarquer que dans le film, comme elle n'a pas pu répéter et répéter avec une professionnelle, elle pouvait pas faire le... le déhanché, elle pouvait pas bouger sa croupe, ce qui fait qu'elle a dû être doublée à ce moment-là, et que dans le film... ça se voit, parce que son popotin fait l'accordéon. Et en dernière anecdote pour aujourd'hui, l'actrice Karine Schubert, qui joue la reine, eh ben figurez-vous qu'elle a continué sa carrière sur une toute autre voie. Si vous tapez son nom sur certains sites pour adultes, vous verrez pas mal son travail. Avis aux amateurs. C'est tout ce que j'ai envie de dire sur la folie des grandeurs. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu, sincèrement. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter, juste pour dire... Salut, TVA, bien. On se retrouvera la semaine prochaine pour une toute autre vidéo. Je ne sais pas encore quoi, j'hésite entre plusieurs sujets, mais je vous en ferai la surprise cette fois-ci. Et d'ici là, comme je dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.